Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, les honorables députés, Madame la Première Dame, à toutes et à tous, bonsoir. C'est pour nous un honneur et un grand plaisir de vous savoir nombreux tous les samedis, quand il est 15h, avec vos smartphones, vos ordinateurs, mais surtout devant vos postes téléviseurs, en famille ou entre amis, pour suivre les différents numéros de notre Assemblée Générale virtuelle. La semaine écoulée, il y a des informations qui ont retenu particulièrement notre attention. Il s'agit d'abord des violences sanglantes et meurtrières de Kouroussa. Humanisme et responsabilité oblige. Oui, à l'UFDG, ce n'est pas un vain mot. Dans cette ville, jadis soutien d'Alpha Condé, du sang guinéen a été versé encore. Des jeunes gens à la fleur de l'âge ont été brutalement arrachés à leur famille et à jamais, alors que leur seul tort est d'avoir exprimé une volonté, celle de voir la gouvernance s'améliorer dans leur secteur d'activité qu'un a pris en otage. Ensuite, l'information qui a marqué nos tentations, c'est bien ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, surtout dans les zones réputées être fiefs de l'opposition, notamment de l'UFDG. Il s'agit de la chasse à l'homme organisée par nos hommes en tenue, qui consiste à arrêter les citoyens et à les déférer au niveau des commissariats centraux et certains postes de santé, de gendarmerie, j'allais dire. Pour leur libération, les familles sont obligées de payer 1 à 2 millions de nos francs. Nous disons que c'est une atteinte grave à la liberté, mais aussi aux droits humains. Cette pratique déshumanisante est à dénoncer, et surtout quand on sait que des milliards ont été déboursés dans le cadre des réformes au niveau des forces de défense et de sécurité. La troisième information sur laquelle nous trouvons nécessaire de nous attarder concerne le déguerpissement inhumain et inopportun des handicapés à Conakry en cette période difficile. Cette pratique déshumanisante, surtout en cette période de Ramadan et de certitude de vie, relance le débat sur le manque de politique sociale et de mécanismes d'insertion et d'autonomisation des personnes victimes d'handicap en Guinée. Cette gouvernance du RPG sous forme de tâtonnement et qui dure depuis 11 ans est une preuve de l'incapacité de ce régime de prendre en compte les préoccupations essentielles des Guinéens. Il y a naturellement cette sortie mensongère, calomnieuse et diffamatoire de Kassori Fofana dans un média de la place. À l'occasion, il affirme, je cite, « L'opposition guinéenne et les familles des victimes entravent les enquêtes dans la manifestation de la vérité concernant les tueries enregistrées lors des manifestations politiques. » Devons-nous rappeler à Kassori Fofana que parmi les principaux rôles régaliens de l'État figurent en bonne place l'éducation, la santé, la justice, mais surtout la sécurité de nos populations? Devons-nous rappeler à ce commandant adjoint des poussistes constitutionnels du 22 mars qu'il appartient au gouvernement qu'il dirige d'identifier, d'arrêter et de traduire en justice les auteurs et les commanditaires de ces crimes affreux? Devons-nous enfin rappeler à Kassori Fofana que depuis 2010, dans les différents accords politiques en Guinée, sous l'initiative de l'UFDG et des autres partis politiques de l'opposition, les gouvernements successifs de la Guinée se sont engagés à ouvrir des enquêtes pour situer les responsabilités et dédommager les victimes. Mais jusqu'à présent, ce gouvernement est incapable de tenir promesse. Nous disons que mentir au peuple, c'est à la fois le trahir, mais aussi lui manquer de respect. L'autre actualité, c'est aussi la sortie médiatique de l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, un ami de longue date du dictateur de Septoria. Il affirme être dessus des agissements antidémocratiques de ce qu'il convient d'appeler son ex-ami et il dit avoir conseillé longtemps Alpha Condé à respecter son peuple qui aspire à plus de démocratie, de liberté, mais surtout de dignité. La dernière information qui a retenu notre attention, c'est bien sûr la mort violente et tragique malgré tout, du dictateur Idriss Déby. Disons paix à son âme. Sa mort est une preuve éloquente que la confiscation du pouvoir et des libertés individuelles et collectives peuvent s'avérer dangereuses pour la paix, la quiétude sociale et l'unité nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, voici donc en résumé les thématiques qui seront abordées tout à l'heure en français et dans nos langues. Et pour ce cinquième numéro, au titre des interventions, vous aurez respectivement en Maninka, Monsieur Mamadou Alpha Barry,
communicant pour 5 minutes. En sous-sous, vous aurez Madame Marissa Bangoura, elle est également communicante pour 5 minutes. Et vous aurez également, dans la rubrique interactualité, notre brillante chef de cabinet, Nadia Naman. Et dans l'autre rubrique qui est devenue célèbre au fur et à mesure des assemblées générales, qui est celui de porter haut le message sur notre projet de société pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que l'UFDG n'est pas un parti amateur. Nous arrivons au pouvoir prêt à gouverner la Guinée et à sortir les Guinéens de la précarité. Donc cette rubrique pour cette semaine va être animée par l'honorable Aliou Condé et le vice-président chargé des questions politiques. Et comme j'ai l'habitude de le dire, à tout seigneur, tout honneur, l'intervention du président élu de Guinée, M. Sélou Dalein Diallo, viendra mettre un terme à la présente Assemblée générale virtuelle. Donc, sans plus tarder, puisque nous sommes bousculés par le temps, nous allons appeler Madame Marissa Bangoura pour la première communication au compte de ce cinquième numéro de notre Assemblée générale virtuelle. Awa mbara la Guinée ka bir ngebu mbara ma menge ngebu mbara ma président ngebu et la Sélou Dalein Diallo mbara ra Guinée ngebu mbara ma débité bir ngebu to la Guinée fo wonnon di nam fala la Guinée fera ba la Guinée kanan na wonna won gonni be awa munon di fala mi gbata mo kel ma farma la Guinée fe fala nta Marissa Bangoura moyen fene moral ministre noyen na kan fala ka sor fofona Geli rafera mi ramere na resure na gelia geli kui ibara dinga mundun ta radi fura resura ya fala nko seri ne ki giseri fi radi matonda rasudi afala fera muta na nga mi re na resure am muta na mutingi na fera no fala de na fera no matodi men non di munaki dunia wambiri mfagamane mi rigomo na na mfagama inu kuye ba dunia ma akonantina aligia manana. Mighi nere na geli kui naki. E rade mbaye na tande. E na tore kui. Nere fangeli. Hali ina bangi na kui nade na kabalema. Nagban sanja kankata matu. E fane na geli kui. To muma sengi na kama sen feto. Wonga ko lagine ka. Wambiri nga kere. Womba bakere. Womba ngati nondira. Pase nondi na dunia gani mayarema. Sutu lagine. Fule mube, manike mube, shose mube, forese mube, abiri lagine kana na wambiri na. Aman na gana baga, na mambara bana. Imambara siga grand moske meni. Mabole nye na meni. Nde ya muna, nde sangi muna, nde bilaga muna na. Ebara siga, eba sanye tortire meni. Ebara keli, ebara gazu sanye ma. Ebara nde bubu. Imambara neto ngoko 436. Esa nye gani 36 meni. Mighina gama wanyu kuyi kulor kulu. Nana matarabon kulor kulu ndi. Dangu ina toma. Wanga ba wangoro madoro fe la Guinea bokima. Wambara taga na fe ma. Wanga kolon dunia febri na nyoma nondi ina ma. Nama mbara gaya dangide. Mire na misri mire na salife nyamin na. Nyamin kui. Gere ba kio kui. Nyamin tamira ba mene nara. E bara kele bara siga e gazi bula meni. Guinea bara egi. E so nyamin kui. E gazi bula. E Guinea suru. Mire na amuna ma 50 mili sotada etakana par jour. E nu 2 million falanabe ube 1 million. Pa ewa ma benfe. Imwa mabenyi fe, wanga kolo na modeli mufa, lagina ka na gambili na nyamane ma, keli fe yede, asiga fotombunyi, ebile nga ngurame, nta na woyen fe nondi nambe, muwoyen fe fefe ma, mwa muwoyen fe re rampeye, anga woyen, ade, muwoyen madwandi nambe, lile wa rasul, wanga kolo prejida alfa kwande, kita mwini re 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 re, afalebe, raba yu modeli la bafe lagina kui, lagina di raba doga fe tore kui, lagina di raba doga fe yaye kui, lagina di raba tore fe alo anapeyi bata dama to wangwanyi be kwenye fisa takambe kurusana neki takanye na rey na meni ebara keli ene tongo e takanye tongo ene keli bayga wali kwi kurusa to miskine fe nana yaye fe nana kunsingi nana na alo lagina kamera wangama to lagine wambu kiyoki wana bama wambini sigama ala nama amene bore ya munera kona la utala ya nera wangaba na fe modeli ma wangaba wambore miskini etora fe lagina kana na wana enakana baga nera meni
e bara lagina ke bana e konye do gona konye no ko abi sto ha ne ma konye yide gbatane ama so ma lagina ka ga yide ama mu ye sa ma lagina ka ga bela kara di asama ha bo ri di enem bela kara wonta lu toro ki ba wonta mbara khili sa toro du guya wonta lu toro ki lagina bana ama sema na ama sema lagina ka be e gaba wenyi wenyi fala fe me rebel khande longore da e fala fule nanya so senanya maninkenanya fore senanya wonagatinama won bidin gakere won baba kere nene goto baba goto amna kelen fa kele won bidin gakere won baba kere won ga won bel gaso won borida ne ga wa ma won divise fe lagine ku lagine die won nagata made won nagatin ba won divise tina ne ga lang won saga mane nan gwan to won gwanyi bogi sewi o mun abeto gazi mu walfe na kana abirin gaji nama mbalagina ke ntan nambe laka so mambore ina mbarambe laka sa nyanda la benebe muhammi re ne geli president alfa konde ala nan nabi khafira muhammi re gano be inde tore bare randi tore bare leli wonna ki ke na ki sunwar ki ke nini bi khafar ki ke hanye tan na geli ku ala nan nabi khafira ntan bar waya wa salam C'était donc l'intervention de Mme Marissa Bangoura. Elle est communicante au compte du parti. Elle est revenue longuement sur la situation des détenus politiques. Pour elle, ils ont été injustement arrêtés et aujourd'hui, ils sont en détention avec des conditions difficiles à la maison centrale. Ils demandent au gouvernement guinéen, puisqu'il n'y a pas de preuves établies, de les libérer immédiatement. Elle est revenue longuement également sur la situation à Kourousa. Elle déplore le fait que les étrangers aujourd'hui sont maîtres à Kourousa, parce qu'Alpha Condé a daigné confier des projets aux Burkinabés qui sont devenus aujourd'hui des maîtres à Kourousa, pendant que les Guinéens continuent à vivre dans la précarité. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est la pratique aussi des dictateurs. Il faut maintenir le peuple dans sa grande majorité dans la précarité pour pouvoir les contrôler. Merci beaucoup Madame Bangoura pour cette intervention. À présent, nous allons appeler Monsieur Boubacar Bari, dit Bari Business. Monsieur le président Mamadou Sellou Dalen Diallo haray men hiwrike onon e sonna jong Hadji Halimatou Dalen Diallo mi hiwrike militant e militante IFDC debbo e gorko payku e mawdo jano e togoso haray o ngaccay hakke haray ko banni do honti ko fi andintingol jama lagine on e aduna Allah on kala ka Guinée en joni ko fewndi ko lagine mo acci hay alan sara wawli ko wawlaino e fana haray welata fi haray men nani ko kasori fofana holli kon wonde nala opposition on e warana be yimbe ben e nangana ben ko ben hadi laba mi sikadum haray ko hoccudo wiata Allah yo luttu majjirado yayi Allah jonnutumo jama lagine on no fala yo fi wara ben e nanga be yo la pos ko buri e yawde yo Allah newnan en laba on newnana en kay nangabe ben Allah jonnita embe ila e honorable Ousmane Gawal haka Allah han yo Allah jonnute embe no mojiri haray ko watti e dum don ko andingol jama on fi ko fejji ko ga julirde bambe to de balde mi do tamjini fewndo ka lagine fewndi do hande surtout ka lewru souma e do haray goddo ko mapi ko se okoray goddo kono si tay ko fewndo goddo nangata goddo innama itinama 1 million de francs si sadaka nagge no yaltani willato do ndolin haray mapini yo Allah wulando beedi wallude lagine sendangi sécurité lagine on haray ko watti e dum don ko fi be bovobe men si tawi goddo nangi sellube radike sellube soki sellube haa tawi kay ko bofo be ngo yahanta onanga haray autorité lagine on en torike Allah yo Allah fewnube si be fewata yo Allah wudinde e mabbe en torike Allah kanko wa jogi Allah ittuka bawgal mum lamina selu dalen jallo ko buri e yawde haray ko watti enu ko ko fejji konkursa
koko wadi ko mbambe to wadi kurusa kono no mi do tamjini kamaira o kamaira harayno yurmina satti kono em burno tamjinaade si maya makurusa control te kono hani controlaka yo alla nenu be controla be wari to yimbe dido be nangi boy hibe jogi be hore kadi ko be landi kon ko fi yo be hettu hakke mabbe si tawi non hawri goddo landi ke hakke mum woni ko lutti moy mum o wara may fi julugol haray yo alla nadu mal jannara yo tampali fi julde de haray jamala gi non ko beedi wakilade ko watti edum ko Mohammed Sherif e Niger ko ko holli sa yango die goddo mi do tammi nino na jangole ko ko wolata ko li tayo hebi poste o watta hari be holondiri e MSC professeur Alpha Condé moja kono sansi few be wi non wirru mini warru mini a nyamu ko jonno rada kala wi do nena no yete baba nete a bonnune lal Alpha Condé na ko kanko e ba Mamadou e MSC Sirajo be arduno ko lagine kanko be yadi do mayi kanko e mo wuri o wadali ko be haldi ko e ko be aranno kon kono e wadi Allah hakkune men e makko yo Allah ittu ka bawgal mum barki ndu lewru suma e teddu mudum men toriki Allah ko an way ko an jungi ko an itata ande yo Allah lamina men Mamadou Sellou Dalen Diallo Allah tawna men men nyama nafakan Boubacar Bari business mamou kenye ko premier secrétaire l'organisation section motard mamou bureau exécutif tawaro ko celle de communication IFDC jama lagine on rekilta ni pa guiné extérieur rekilta ni pa yo Allah lamin Sellou Dalen Diallo merci merci wa salam Wiw lagine IFDC wiw Mamadou Sellou Dalen Diallo merci C'était donc Monsieur Boubacar Bari, dit Bari Business, pour son allocution. Il a rappelé qu'il ne faut pas perdre sa capacité d'indignation face à la barbarie de nos forces de défense et de sécurité. Ce qui se passe en longueur de journée à Bambeto ici, c'est ce qui s'est reproduit du côté de Kourousa. Comme pour dire que l'injustice ici, ça peut être la même chose. Il faut dénoncer chaque fois que c'est opportun. Il est revenu longuement sur les propos du président Mamadou Issoufou, qui est un ami de longue date du dictateur de Sékou Touré. Pour lui, un homme de parole, c'est par rapport à ses actes et c'est par rapport à ce qu'il pose comme action sur le terrain. Mamadou Issoufou a promis au peuple nigérien de respecter sa constitution et de ne pas dépasser les deux mandats. Il a respecté ses engagements, il est parti. Celui qu'on a ici n'a jamais respecté ses engagements depuis qu'il est à Sékou Touré. Et pour nous, ça ne nous surprend guère. Donc merci M. Bari pour cette communication. Sans plus tarder, nous allons appeler M. Mamadou Alpha Bari pour sa communication au compte de la langue Maninka. Mbara. Anna Mansake, Alaji Sellou, Inifo, Inisu, Mirifo. Ala musini kende adirema ila mansaya Alpha Condé fe kaminta fankala ala moira mansara masorra mbara ajali matu dalenfo ila sobelebele ba la Guinée ji anna vice président mbaral befo docteur Fodoussou général Aliou Condé monsieur Kalimodou Yansané militant mil beyan responsable mi beyan mbaral befo mile ko kan fana mbaral befo ala musini kende adiral bema sunkaro men ala mo ala giselu ala mansaya masorra et calon Alpha Condé calon anna momil minani Alpha Condé mal minadi parce que ata a fait calmina parce que asila ninde iba bara bara honorable Ousmane Gawal mina kawa hajja maymuna kemina kawa finke Ablaye Bamina kawa wolbe Ismaël Condé ma finke mbo Ismaël Condé la kofe kasilena alanjiro ama finke akafo Alpha Condé masayabila kaka na troisième mandat ke al ka Ismaël Condé mina kabila kasoro Ismaël Condé ma finke mais ala kabon ne mi fola kasori nda fola ala gisellu hadi ma kasori jabi parce que andel ni kasori le terrain opposition do ati e kasori ma min fo Alpha Condé ma kasori wara ando ha ka bas guiné mol nani Alpha Condé la koro wo ba fo bi ko militant alors que entre bon manifestation tu ma mindo mol sarali mon misare de kasori ay munde fola wol la koro kasori ni kuma le kasori ile munde fola wol la koro he no ma saya men kaka ma saya men mokun na wulade
Masaya me mo kunna tourner ali. Men kalo ala giselu masaya ta kun tourner. Sino ka suri tere antumana ay mi fola biani ay mi fola ki kelente. Men alkoko lonjande me asebalite. Ibabo edo amba wa mosquée Bambeto. La Guinée policier albarake terroriste di la Guinée ando. Parce que il est wala moli sundo wolbara na nafila il est tak il est waka gaz lacrymogène takawa fila molba wolma kawa musol mina kawa woldi kawa wolmina komo li million kelembo mille million frembo e wolong anka mende bafo ya fola komo mimba oke kalamina anka be damanta ya fola komo milbo kalamina me wolbara oke kawa gaz fili molma ambara e simba ya gari ando kele barake do mosquée la kura alma mosis mina edo kawa musol mina ka jomme amula parce que fief elle opposition na fiefli Alpha Condé la Guinée, na foi. Ibara e ala fola monyako Idriss Déby. Abara san sambi sabani kelenke masaya. Mais comme a troba waso, abara kafa, aka tenen defa. Atenen fara 2 jours le kelal tema alkal le fanafa. Mo ibasi a kedoy. Amba tambiro. Andina Amadou Youssouf fana. Amadou Youssouf be kalo woni Alpha Condé le karana France. Malon na karana Sorbonne de Leba, ma Sarban ba ma kul malon. Mais wo abara masaya ta. Abara manda filake Pascal Kalo Amadou Youssoufou alifana ala fola me ko Amadou Tanza woka forcele soda sikawul mina kabila côté Amadou Youssouf election war Amadou Youssoufou kam masayata ako kaleti kale les civils transition ke la ka transition ke mais abara jite Alpha Condé bi aleni Amadou Youssoufou ti kumala ako kal bara kumala depuis 2019 ak Alpha Kilika fama ibara de mandake Ika ota, ite refankati, ite rebotuma, ite re opposition, ili le kafo. Ko demokrasi, ni demokrasi ti duro si wara nyefe. Tubabul makanka diktater si porte. Bi ili Alpha Condé barake masadi. Ili barake diktater judi. Bi, ili tafe ka masabila. Ili ti demokrasi fe. Kunu ite le ure kerela. Ama silani. Me ala kabum. Amba boye do. Amba wa deger pismando. Mo handicapel kawawul awul mina mosquée kawawul ministère de affaires sociales wo kuin parce que itise wala ka mol mina sunkarondo handicapel non mais est-ce que famille la Guinée ando bi handicapé ti mombi ndabara est-ce que woyé mais tikini la al ida fo ko djusutal bi ya fo ko kourule al djusuro mais sin alil wala wol degré pis la kawul basi kawul ben ala le kawol kewnya mais ala gisselu ba ke mansadi adio be la ben ala mansa adama soro ala gisselu nde kawol foy bamadol fa idi la mansa amasoro idi la mansa amasoro nela sondama parce que la Guinée be le voterie wala ka kende la ndira parce que ita fo kuna kindia mol nara ikoko IFDG ma gagner quoi basket kalum anifria atobe IFDG le gagnera atobe mo c'est à dire politicien nyuma le di isouti la Guinée isouti Afrique amba boye do andwa finke justice mi etambila kurusa mais ikalon kurusa ko iba ma fene kurusa kelente boke ando ali wa boke barake ville sinistrée di mais kurusa Alpha Condé ko kurusa kali mais il est dise na la Burkina Bel di kawa do ko liwa daman na kal daman ta ka mil kal bemba la bara soro il est afo ko di o bol bolo woli kuma alka sous-préfet ka kuma ka maire ka kuma ka préfet gouverneur almason fo wol tobora ka wa so da silta so ronko ni ka wa ka wol bon ka mo filafa dol ma ven Alpha Condé c'est pour vous dire que Alpha Condé ma koti mo sisla iba la intérêt ma ikera mani kadiba ikera fula diba ikera soso diba ikera forestier diba disa adifa wol ka ke iba e américain Alpha Condé ke kan ka ko wa France ni o ma fin ke tun kono Macron ko ka to la France mo sis ma Alpha invité bi albebar perturbé mo sis ti Alpha invité là moi aussi je suis invité là parce que à la Manseate président Joe Biden ka kolon ka la Manseate François Hollande ka kolon ka la Manseate ay selu dal na Manseale tala ala gi selu dal la Mansa masoro ala gi selu mbara sewa idumal la Guinée dembe mo sarama le di iba bo boss mo aussi parce que mol be ji la ni del madi anu FDG militant be mbaral fo wa salam Je crois que dans sa communication, tout y est. Beaucoup se posent la question, pourquoi Mbari communiquait dans la langue maninka alors que le parti a des centaines de cadres malinkés, y compris moi. Ça veut dire tout simplement qu'à l'UFDG,
Nous pensons que la diversité linguistique et culturelle est une richesse. Et pour un parti transversal comme le nôtre, c'est un atout majeur. Nous n'oublions pas notre slogan de campagne qui est « Unis pour servir ». Le président Sélou Dalein Diallo est un homme d'État, un rassembleur, un homme d'action et de parole. Et tout le monde le sait. C'est à l'opposé de celui qu'on a aujourd'hui à Sèr Touria. Parce que dans l'une de ses communications, il dit que le parti est le parrain de l'ethnocentrisme angolais. Nous allons tout simplement revenir sur certains propos, comme l'a dit M. Barry, pour illustrer que le président Sélou Dalein Diallo dirige un parti transversal et fait la promotion des minorités même ethniques au sein du parti. Ça veut dire que quand il arrivera au pouvoir, il fera en sorte que la Guinée, tous les Guinéens puissent bénéficier, n'est-ce pas, des richesses du pays. Quelqu'un n'a-t-il pas dit ici, en 2010, que quand il arriverait au pouvoir, il ferait en sorte que le perçoir soit pour la forêt, la primature pour la basse-côte, pendant que lui se réclame de la Haute-Guinée, oubliant une grande région de la Guinée qui est le Fouta. Quelqu'un n'a-t-il pas dit en 2015 ici que tout Malinké qui aura voté pour une autre personne est considéré comme un bâtard? Quelqu'un n'a-t-il pas dit à Koya ici que tout Guinéen qui aura voté pour un autre candidat différent de lui aura voté pour l'exode rural, aura voté pour l'exil pour ses enfants parce qu'il pense que les autres sont des non-Guinéens? Nous disons simplement que l'UFDG c'est une famille, l'UFDG c'est un parti qui rassemble, l'UFDG c'est un parti d'unité, l'UFDG c'est un parti qui fait en sorte que tous les Guinéens puissent converger dans la même direction. C'est ce qu'a rappelé mon frère Barry. Il a également rappelé la situation que vit actuellement nos frères à Kouroussa, comme pour dire que la division ethnique, aujourd'hui, le message ethnique que tiennent à ceux qui gèrent aujourd'hui le pouvoir, ça ne va à l'avantage de personne. Ça ne profite qu'au clan mafieux qui entoure Alpha Condé et qui se partage aujourd'hui les richesses de la Guinée. Parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, les mêmes armes qui ont été utilisées à Bambeto, c'est les mêmes armes qu'on est en train d'utiliser à Kouroussa. Ça veut dire tout simplement qu'Alpha Condé n'a pas d'idéologie, il n'a pas de vision, il n'a pas de valeur à défendre, il n'a pas de valeur à protéger. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment conserver ce pouvoir-là. Que vous soyez Malinké, que vous soyez Soussou, que vous soyez forestier, lorsque vous êtes obstacle majeur à cet intérêt-là, il fera en sorte de vous anéantir, sinon que de vous tuer. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Hector. Lui, il est du côté de la France. Il va parler contre la Fédération de la France. Je vous remercie. Excellence Sélou Dalein Diallo, président élu du peuple de Guinée, militants, partisans et sympathisants de l'Union des forces démocratiques de Guinée à travers le monde. C'est pour moi un immense honneur que d'appartenir à cette formation politique qui est aujourd'hui le premier parti politique de Guinée sans aucune contestation possible. Qu'il me soit permis ici, avant d'intervenir, de saluer le courage et la détermination de tous ceux et toutes celles qui se battent sur le terrain, mes pensées sincères et ma compassion à l'endroit de l'honorable Sélou Baldé, ainsi qu'à la population de l'abbé, l'honorable Ousmane Gawala, le vice-président Chérif Ba, et Fonny Kemenge, Dr Mamadi Onivogi, et tous les prisonniers politiques de ce régime despotique. Je voudrais également saluer celles et ceux qui ont été à l'initiative de cette innovation magnifique qu'est l'Assemblée Générale Digitale. C'est encore une fois la preuve que l'UFDG est en état d'esprit. C'est maintenant, pour entrer parfaitement dans le vif du débat de mon intervention, le Premier ministre Kassori, partenaire des crimes du despote Alpha Condé, a affirmé récemment que l'opposition et les familles des victimes entraveraient la manifestation de la vérité en fait sur les tueries. Alors, nous arrivons là quand même au summum de l'indécence. Nous vivons dans un pays où la pyramide des valeurs est désormais totalement renversée. Le mal a fini par remplacer le bien et inversement. Les gens ne se gênent même plus à verser dans l'outrance. Mais tout cela ne surprend guère. C'est-à-dire que la décadence morale de la gouvernance Alpha Condé est telle que depuis un certain temps, l'État guinéen s'adonne à une pratique nauséabonde de kidnapping de ses propres citoyens.
nous avons affaire à une police qui enlève des personnes dans les zones réputées proches de l'opposition et qui demande par la suite des rançons allant jusqu'à 2 millions de francs guinéens pour obtenir leur libération. Les forces armées sont aujourd'hui devenues une organisation criminelle qui terrorise leur propre peuple. Ces gens n'ont plus aucune limite, aucune retenue, aucune empathie. Ils se comportent comme s'ils étaient en zone de guerre. Ils sont allés jusqu'à brutaliser, maltraiter des personnes en situation de handicap, brûler leurs biens, les tabasser sous prétexte qu'ils occupent un domaine public. On ne le dira jamais assez, Alpha Condé est une déception immense. Voici un individu qui s'est renié sans aucune vergogne. Un homme dont toute la vie est basée sur le mensonge et l'imposture. Il a déçu et trahi tous ceux qui voyaient en lui un espoir pour une Afrique démocratique qui respecte les droits humains. Nous sommes sortis vainqueurs des élections présidentielle d'octobre dernier. Et tout le monde le sait. Aujourd'hui, seules les armes permettent à Alpha Condé de squatter encore le palais Sékou-Touré. Et il en est pleinement conscient. Alors, bien sûr, il essaye de s'acheter un peu de légitimité hein, qu'il n'a jamais eu et qu'il n'aura jamais dans les urnes en Guinée. Mais là également, il ne fait que prendre des décisions maladroites parce que Alpha Condé n'est compétent en rien. Le despote, après avoir chanté en longueur de journée qu'il était souverain, qu'il ne devait rien à personne, qu'il n'avait aucune leçon à recevoir de personne, eh bien, nous l'avons vu se prosterner littéralement devant Emmanuel Macron à N'Djamena il y a quelques jours. Sans doute violemment secoué et sermonné par ce dernier, il s'est empressé de créer une commission nationale de la francophonie. Dès son retour à Conakry. Hein. Voilà ici une drôle de manière de couper le cordon ombilical de la part d'un nationaliste du matin. Je vais profiter de cette intervention pour lancer un appel à une forte mobilisation parce que le despote se rendra à Paris le 18 mai prochain. Alors, il faudrait que nous nous mobilisions et que nous montrions à la face du monde que la Guinée n'a jamais choisi cet imposteur, cet usurpateur, ce squatteur, ce tyran assassin. Le peuple de Guinée n'a jamais voté pour Alpha Condé le 18 octobre et nous devons le démontrer. Alors que vous soyez sur Paris, en Ile-de-France ou en province ou encore dans d'autres pays d'Europe, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, si vous pouvez, rendez-vous le 18 mai à Paris. Je voudrais terminer cette intervention par réitérer mon appel à votre endroit, Monsieur le Président Sélou Alain Diallo. Vous devez tenir bon. Vous êtes à ces jours le seul et unique rempart entre le despote, le tyran Alpha Condé et le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée a plus que jamais besoin de vous. Merci. France. Il est revenu longuement sur les 11 années de gouvernance Condé caractérisées par le mensonge, l'exclusion, la division ethnique, l'injustice, mais surtout beaucoup de fausses promesses électorales et d'opportunisme politique. À présent, accueillons, mesdames et messieurs, notre brillante chef de cabinet, Nadia Naman. Militants et sympathisants de l'UFDG, chers compatriotes, je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre rendez-vous désormais incontournable pour aborder l'actualité internationale en lien avec notre pays et faire le point sur la situation des droits de l'homme de manière générale. Nous irons respectivement à Banjul, au siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,
à Niamey, rejoindre le 6e lauréat du prix Mo Ibrahim, et à Paris, du côté de la Chambre commerciale internationale de la Cour d'appel. Les rapports des organismes de défense des droits de l'homme se suivent et se ressemblent, après Amnesty International, Human Rights Watch ou encore le Département d'État américain, dans un autre registre. C'est au tour de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'épingler la Guinée sur les violations graves et massives des droits de l'homme dont elle est désormais coutumière. Du côté de Banjul, la Commission africaine a reçu une plainte relative à des allégations de violation des droits de l'homme en Guinée, laquelle a été suivie d'une lettre d'appel urgent adressée aux autorités du pays. Cette lettre est demeurée sans réponse. Selon la Commission, je cite, « En Guinée, toute initiative de manifestation publique a été réprimée et les organisateurs arrêtés. Les législations restrictives des libertés fondamentales, telles que la loi de 2019 sur la prévention et la répression du terrorisme et le code pénal révisé de 2016, sont utilisés contre les opposants politiques et les défenseurs des droits humains. Les gouvernements, dont le gouvernement guinéen poursuit la Commission, ont également institué de plus en plus de restrictions et de coupures d'Internet et ont ordonné aux entreprises de bloquer l'accès aux médias sociaux à l'approche et à la fin des élections. Du côté du Niger où je vous envoie, l'ancien président nigérien Issoufou, 6e lauréat du prix Mo Ibrahim, a affirmé, comme le disaient mes prédécesseurs, que Alpha Condé est une déception et son maintien au pouvoir constitue une menace pour la paix et la sécurité en Guinée, ainsi que pour l'espace de la CEDEAO. Je cite, « Je suis surpris, comme beaucoup de nos camarades de lutte d'ailleurs, vu tout ce qu'on a mené comme combat pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit en Afrique, Alpha Condé devrait accepter de rendre le pouvoir, de sortir par la grande porte. Mais hélas, il a oublié ses engagements de jeunesse, c'est très dommage pour lui, pour la Guinée et pour la construction démocratique en Afrique. Ces rapports des organisations de défense des droits de l'homme ont le don particulier d'irriter le gouvernement guinéen qui leur reproche une vision figée et une approche unidimensionnelle de la protection des droits de l'homme. Plutôt que de fuir constamment ses responsabilités, d'attribuer les violences à l'opposition qui l'accuse de tuer ses propres partisans et même pire, d'empêcher la manifestation de la vérité ou de se déchaîner contre les journalistes ou autres activistes des droits de l'homme, l'État guinéen gagnerait à déployer la même énergie au service de l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes et impartiales afin d'identifier, poursuivre et juger les auteurs des crimes commis lors des manifestations. Comme le disait Maître Traoré, je cite, « À chaque fois qu'il y a des morts ou des blessés dans les manifestations, un ministre ou le président de la République lui-même disculpe tout de suite les éléments des forces de sécurité en dehors de toute enquête administrative ou judiciaire. Quel serait alors l'intérêt du travail des juges, s'interroge-t-il, dès lors que les coupables sont désignés par les autorités politiques et administratives? Ou encore, lorsqu'un ministre parle de l'introduction, tenez-vous bien, post-mortem, d'une balle dans un corps à l'aide d'une pince ?» Chers militants et sympathisants, nous poursuivons du côté de Paris cette fois au niveau de la Chambre commerciale internationale de la Cour d'appel qui, dans un arrêt rendu le 13 avril dernier, a débouté la Guinée dans l'affaire qui l'oppose à la société AD Trade Belgium SPRL et l'a condamné au paiement de plusieurs millions d'euros. Chronologie des faits. Le 11 janvier 2011, l'État guinéen concluait deux contrats avec la société AD Trade. Le premier, dénommé Léopard, concernait la fourniture de biens et de prestations de services relatifs à l'établissement d'une unité de renseignement présidentiel. Le second contrat, dénommé Panthère, concernait la fourniture de biens et de prestations de services. Suite à un litige survenu entre les deux parties, ces contrats ont été résiliés de manière unilatérale par le gouvernement guinéen qui estimait, entre autres griefs, que l'attribution du contrat Léopard ne respectait pas son code des marchés publics. Cela peut prêter à sourire lorsque l'on connaît l'attachement viscéral du gouvernement au respect des dispositions issues du code des marchés publics. Poursuivons. Le 8 octobre 2015, la société AD Trade a porté l'affaire devant le tribunal arbitral de Paris en contestant la rupture unilatérale de son contrat.
Le 22 novembre 2017, l'entreprise belge obtint la condamnation de la Guinée à lui verser plus de 46 millions d'euros pour les services et matériels fournis dans le cadre du contrat Léopard, ainsi que pour les frais de défense et d'arbitrage. Le 16 mars 2018, la Cour d'appel de Paris notifie cette condamnation à l'État guinéen. Le 17 mai 2018, l'État guinéen forme un recours en annulation de cette décision devant la Cour d'appel de Paris. Et enfin, le 13 avril 2021, pour clore cette chronologie des faits, l'État guinéen est débouté par la Cour d'appel de Paris qui a maintenu la sentence du premier jugement et condamné la Guinée à payer 200 000 euros à la société AD Trade Belgium, en plus des 46 millions d'euros issus du jugement de 2017. Lorsque l'on agit au nom de l'État, chers sympathisants, militants, chers compatriotes, on respecte ses engagements contractuels. Qui paiera cette facture salée ? Le contribuable guinéen, naturellement. Pour terminer, je tenais à ouvrir une parenthèse méditative. Dans ce climat de terreur et d'oppression auquel nous faisons face, l'on peut être gagné par la peur, je l'admets, c'est humain. Mais en succombant à nos peurs, nous nous accommodons des maux de notre société et devenons impuissants, invisibles et inaudibles. Une seule chose suffit au triomphe du mal, l'absence de réaction des hommes de bien, disait Sir Edmund Burke. Parce que, chers militants sympathisants, chers compatriotes, le mal triomphe chaque fois que les défenseurs du bien ne font rien. Je vous remercie de votre attention. So now I'm going to switch from French to English. I don't feel very comfortable, but I will try to do my best and to make myself understood. Dear members and supporters of UFDG, dear fellow citizens, welcome to the first English session of our General Assemblies. We are going to discuss international news and issues related to our country and to take stock of the human rights situation. I will take you to Banjul, Niamey and Paris. The reports from human rights organizations come one after another. After Amnesty International, Human Rights Watch and the American State Department, it is the turn of the African Commission on Human and People Rights to pinpoint Guinea on the serious and massive human rights violation of which it's now accustomed. On the Banjul side, the African Commission received a complaint about alleged human rights violations in Guinea, which was followed by an urgent appeal letter to the Guinean authorities. This letter, very sadly, remained unanswered. According to the Commission's, I quote, in Guinea, any initiative of public demonstration has been repressed and the organizer arrested. Legislation restricting fundamental freedoms, such as the 2019 law on the prevention and repression of terrorism and the revised 2016 criminal code, are used against political opponents and human rights defenders. Governments have also increasingly instituted internet restrictions and blackouts and ordered companies to block access to social medias in the run-up and following elections. On the Niger side, the former president Issoufou, the sixth winner of the Mo Ibrahim Prize, said that Alpha Condé is a disappointment and his continued role is a threat to peace and security in Guinea and in the ECOWAS region. I quote, I'm surprised, like many of our comrades in the struggle, given all that we have fought for the establishment of democracy and rule of law in Africa, Alpha Condé should accept to give up power, but unfortunately, he has forgotten his youthful commitment. It is a great pity for him, for Guinea, and for the construction of a democracy in Africa. This report from human rights organizations have a knack to irritating the Guinean government, which reproaches for a fixed vision and a one-dimensional approach to the protections of human rights. Rather than constantly shirking its responsibilities, blaming the violence on the opposition, which is accused of killing its own supporters or preventing the truth from coming out,
are raging against journalists, civil society activists, and human rights, the Guinean state will do well to deploy the same energy in the service of independent and impartial judicial investigations in order to identify, prosecute, and judge the perpetrators of the killings committed during the demonstrations. As Maître Traoré said, each time there are deaths of injuries during demonstrations, a minister of the President of the Republic himself immediately exonerates elements of the security forces without any judicial or administrative investigation. What will be the point of the work of judges when the guilty parties are designated by the political and administrative authorities? That's a very good question. Or when a minister speaks of the post-mortem introduction of a bullet into a body with the help of pliers. In Paris, the International Commission of the Court of Appeal, in a ruling handed down in April, dismissed Guinea case against Editrade Belgium SPRL and ordered it to pay several million euros to the Belgian companies. Sorry, here is the schedule of the fact. On January 2011, the Guinean state concluded two contracts with Editrade. The first contract, called Leopard, concerned the supply of goods and services relating to the establishment of a presidential intelligence unit. The second contract, called Panther, concerned the supply of goods and services. Following a dispute between the two parties, these contracts were unilaterally terminated by the Guinean state, which considered, among other things, that the award of Leopold contract did not comply with its public procurement code. On October 2015, Editrade brought the case before the arbitration tribunal in Paris, challenging the unilateral termination of his contract. On November 2017, the Belgian company obtained an order against Guinea to pay it more than 46 million euros for services and equipment provided under the Leopold contract, as well as for defense and arbitration costs. On March 2018, the Paris Court of Appeal notified the Guinean state of a decision. On May, Guinea appealed to the Paris Court of Appeal to have this decision set aside. And on April 2021, it was rejected by the Paris Court of Appeal, which upheld the sentence of the first judgment and ordered Guinea to pay 200,000 to the company Editrade Belgium in addition to the 46 million euros. Dear fellow citizens, when one acts on behalf of a state, one respects one's contractual commitment. That is very important. Who is going to pay the bill, this hefty bill? The Guinean taxpayers. Finally, dear fellow citizens, dear members, I would like to open a meditative parenthesis. In this climate of terror and oppression, one can be overcome by fear. The fear is real, but let me state that in succumbing to our fears, we actually make things worse because impunity reigns supreme. As the saying goes, fear is the path to the dark side. We must find our voices, otherwise we become okay with the ills of society, or what, we become powerless. A wise man, and I will finish on this point, a wise man once said that the necessary condition for evil to triumph is for good people to remain silent. So whatever we do, we must never keep quiet about the problems we face, the solution to them, and the prospect for a better future. Thank you very much for your kind attention. Nous sommes obligés d'applaudir la rubrique internationale traitée par Nadia Naman, chef de cabinet du président Sélou Dalène Diallo. Hein? UFDG, on a Samakala. Hein? Compétence, expérience, exigence, comme le disait l'autre. Peut-être que ça aura le don de réagir, c'est Autoria ou la primature.
Merci donc Nadia pour cette belle intervention qui traite l'actualité guinéenne à l'international. Donc à présent, nous allons nous atteler à l'autre rubrique qui est devenue célèbre depuis le passage des honorables Fodo Oussou Fofana et M. Kalomodou Yansané, surtout en ce qui concerne l'affaire de Bitumage. Ça fait réagir Seutroya, ça fait réagir la primature, ça fait réagir tous les commandants en chef du putsch constitutionnel du 22 mars. Nous osons croire que ce passage de l'honorable Aliou Condé va faire réagir encore beaucoup de nos adversaires. Donc à présent, nous allons nous appeler M. Aliou Condé, lui le vice-président chargé des questions politiques, pour notre célèbre rubrique qui est le projet de société de l'UFDG, comme pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes un parti préparé, un parti qui regorge d'énormes talents. UFDG au pouvoir, c'est l'assurance d'une Guinée unie, une Guinée émergente et une Guinée développée. Merci. Aller. Militants et sympathisants de l'UFDG, chers compatriotes, je ne saurais commencer sans rendre un hommage appuyé aux 400 prisonniers politiques injustement détenus à travers le pays, dont les militants et responsables de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC. Chers compatriotes, dans le cadre des activités de la Direction nationale de l'UFDG, nous entreprenons un exercice de vulgarisation du projet de société pour présenter à nos militants, sympathisants, compatriotes, ainsi qu'aux partenaires et amis de la Guinée, notre vision et notre programme de développement. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique de faire de nos assemblées générales virtuelles une véritable tribune d'éducation citoyenne. Sur ce, je voudrais livrer le premier pan de cet exercice qui portera sur le mot du président à l'attention du peuple de Guinée. Lettre à mes compatriotes pour une Guinée unie et prospère. Chers compatriotes, la Guinée entière est à reconstruire. Cette reconstruction commande aujourd'hui plus qu'hier une vision, des ressources diverses et des efforts importants. Ces 10 dernières années et plus qu'auparavant ont prouvé qu'il ne suffit pas de disposer du potentiel économique et de désigner un président à la tête d'un pays. Il s'agit plutôt d'installer un leadership dynamique, compétent, avisé et capable de mobiliser les Guinéennes et les Guinéens pour accomplir le travail gigantesque de développement national. La mise en place et le fonctionnement de ce leadership exigent le choix d'un homme éclairé, disposant d'expérience et de talents établis pour en assurer la direction au profit de sa meilleure productivité. Nous nous sommes de plus en plus éloignés de cet objectif, alors que notre pays s'est davantage enfoncé dans une crise généralisée depuis 2010. En plus de la crise sanitaire due au Covid-19, la Guinée traverse une crise politique, économique et sociale sans précédent qui a fortement ébranlé l'unité nationale et la stabilité du pays. Nul ne peut nier que pendant les 10 ans de la gouvernance du régime de M. Alpha Condé, les conditions de vie des Guinéens se sont détériorées davantage par un accroissement de la pauvreté des ménages, l'insuffisance des services sociaux de base et des instruments notamment, et des infrastructures notamment routières, l'accentuation de la sécurité et de la violence d'État, et surtout la remise en cause totale de la cohésion sociale, ainsi que l'exacerbation des tensions et divisions ethniques. Ce n'est un secret pour personne que dans ce contexte de paralysie totale de la société et du pays, le pouvoir actuel a été incapable d'élaborer des stratégies de gouvernance adaptées aux besoins des populations guinéennes. Aussi s'est-il donné pour rôle le bradage des richesses du pays pour des revenus dont l'utilisation est jusqu'ici restée un secret pour la large majorité des Guinéens. Les distorsions inhérentes au système actuel sont marquées par des dérives majeures dans la gestion des finances publiques, dans l'organisation du secteur privé, dans l'environnement économique et des affaires, en l'absence d'une politique salariale adaptée et conséquente. Le tout marqué de dysfonctionnements
qui dresse des obstacles et contraintes qui freinent l'émergence économique de la Guinée. Quelles approches initiées pour permettre enfin l'émergence et l'affirmation d'un système libéral à visage humain qui prenne en compte la condition des pauvres et œuvre à l'accomplissement des OMD et où le rôle du secteur privé, moteur du développement, serait assuré à partir d'un cadre stratégique porteur. Les actions prioritaires du programme de l'UFDG sont bâties sur la base d'un constat édifiant et structuré décrivant avec précision les souffrances et besoins des Guinéens dans les différents domaines. Les solutions envisagées sont définies dans des actions à mettre en œuvre. Ce sera l'ultime salut et le prix à payer pour notre devenir commun. C'est là une occasion très opportune de rebondissement historique. Et le système libéral à bâtir sera basé sur l'équité économique, l'égalité en droits et devoirs des acteurs du développement. Bref, un système compétitif et concurrentiel balisé afin que la performance et le travail libre soient les garants du succès. Les priorités identifiées portent essentiellement sur l'édification de la meilleure productivité de l'économie, la justice sociale, la consolidation du consensus national et l'impulsion de la recherche scientifique dans un État où l'égalité des droits est garantie pour tous. Les actions attachées à ces priorités tiennent principalement dans les 12 axes stratégiques suivants. 1. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des compétences et des ressources techniques, matérielles et financières. 2. Assurer l'éducation des générations montantes dans un système éducatif enraciné dans les cultures nationales et ouvert aux impératifs de la mondialisation. 3. Impulser la recherche dans toutes les filières scientifiques et techniques par une carte scolaire et universitaire dense, diversifiée et étendue à toutes les régions du pays, ainsi que par la motivation des chercheurs de tous grades scientifiques. 4. Assurer la participation de la Guinée aux innovations scientifiques, technologiques et culturelles du monde contemporain par la participation de l'élite guinéenne aux débats internationaux. 5. Refonder le système de santé autour des principes et valeurs suivants. L'équité dans l'accès aux soins, la solidarité nationale au bénéfice de toutes les couches sociales, la disponibilité des soins de santé de qualité et d'infrastructures adéquates, le respect de l'éthique et de la déontologie médicale. 6. Investir dans les infrastructures de base capables de soutenir le développement du secteur privé. 7. Développer les techniques des filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes, assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières. 7. Assurer le bien-être de tous les Guinéens sans distinction de race, de religion et de conditions sociales par l'édification d'une citoyenneté moderne et partagée. 8. Réaliser le consensus et l'équité et l'unité nationale par l'exploitation judicieuse de toutes les passerelles d'intégration culturelle et historique des communautés guinéennes. 9. Restaurer l'environnement physique et biologique du pays par la régénération de couverts végétales, la diversification de la faune sauvage ainsi que la modernisation des villes et des villages. 10. Motiver la participation de la diaspora guinéenne au développement du pays. 11 et 12 réunis, reconstruire le leadership politique et le rayonnement diplomatique de la Guinée par la consolidation ainsi que l'élargissement de ses relations d'amitié et de coopération en Afrique et dans le monde. En tant que produit d'une histoire commune et partageant les vicissitudes des régimes politiques précédents, nous ne pourrons que travailler ensemble dans le respect de nos différences et de nos droits, ainsi que dans une haute conscience des défis à relever. C'est le sens de ce programme que vous propose votre grand parti national, l'UFDG. Ce programme vise l'instauration d'un état de droit au service de tous et la création d'opportunités égales et dans tous les domaines pour les hommes et les femmes, toutes conditions sociales considérées en tant que citoyens d'une Guinée engagée dans la voie de l'unité et du développement. Sous le régime de l'UFDG, la communication entre Guinéens sera intensifiée, les passerelles sociales densifiées,
et les occasions de dialogue multipliées au profit de l'éclosion d'une société nouvelle et dynamique, ouverte aux apports fécondants de la civilisation moderne, mais enracinée dans les valeurs authentiques de la culture nationale. Dans cette société en refondation, les jeunes et les femmes auront une place de choix. Ils seront les principaux animateurs d'une société civile, libre et porteuse d'initiatives productrices de valeurs ajoutées. S'assurer que les personnes âgées soient en bonne santé et participent activement au bien-être de tous demeure un objectif prioritaire de l'UFDG. En ces temps de défis majeurs, l'armée sera un maillon important. Sa vocation républicaine sera soutenue par des actions qui renforcent sa cohésion et il lui sera accordé les moyens de servir la sécurité de la nation avec engagement et patriotisme. Ce sera une autre façon d'administrer que le pays tout entier va vivre avec une gouvernance au service du développement, de l'équité et de la quiétude sociale. Ce sera aussi le retour de la République sur les rails d'une nation en construction par un peuple en marche dans la démocratie, le travail, la justice. Dans ce contexte, l'UFDG réaffirme son engagement renforcé et à utiliser rationnellement les compétences des Guinéens, à exploiter les opportunités de la coopération internationale en vue de valoriser les ressources nationales pour la prospérité et le bien-être sans exclusive de tout le peuple de Guinée. Ceux qui partagent aujourd'hui avec nous des conditions difficiles d'un pays économiquement pauvre et déstabilisé devront, sous le régime de l'UFDG, se sentir davantage liés à chacun de nous par des sentiments renforcés de solidarité, d'amitié et de bien-être, ainsi que par des perspectives prometteuses pour tous les habitants qui vivent ensemble sur le territoire guinéen. Dans la matérialisation quotidienne de la vision traduite dans ce programme de société, les Guinéens pourront individuellement et collectivement intégrer un mouvement d'ensemble dont nous serons les principaux animateurs et qui, au bout du compte, aura définitivement enterré les incertitudes du passé et tourné la Guinée vers le développement durable au profit de l'édification d'une nation prospère, moderne et prenant résolument part à la réalisation de l'unité de l'Afrique pour un monde de paix et de solidarité. Vive la Guinée unie et prospère. Je vous remercie. C'était donc la rubrique projet de société de l'UFDG. À la différence de ceux qui promettent des usines de tracteurs, de bonbons, de pommes de terre et qu'on ne voit jamais. Voilà donc comment l'UFDG compte gérer le pouvoir une fois que sa victoire lui est restituée. Donc, mesdames et messieurs, nous allons vous inviter. Tout à l'heure, tous ceux qui ont intervenu ici ont fait mention du déguerpissement inhumain et inopportun des personnes victimes d'handicap à Conakry. La brutalité par laquelle nos forces de défense et de sécurité ont agi ont interpellé plus d'un. Nous vous invitons à suivre l'extrait réalisé par nos amis de la presse et nous allons donner ensuite la parole au président élu de Guinée pour clôturer cette présente assemblée générale. La régie, comme vous voulez. Ce sont une centaine de personnes à mobilité réduite qui ont battu le pavé ce matin devant le gouvernorat de la ville de Conakry. Selon les informations, ils ont été déguerpis sans préavis. Leurs biens incendiés et certains d'entre eux ont été transportés vers d'autres communes. Ces manifestants estiment avoir tout perdu et demandent de l'aide au gouverneur. Donc ça fait 7 ans comme ça, Muntana, réellement. Et n'a rien à cité renouvelée Fena. Depuis cette bonne année, nous sommes sur la route. À la cité, on nous a fait sortir avec force. Mais chaque année, c'est la même chose. Ils nous ont pris pour nous envoyer à la cité. Ils ont été reçus par les cailloux parce que nous n'avons pas de papier. C'est hier vers 10h, ils sont venus en grande pompe pour incendier tous nos biens. Nous n'avons pas pu récupérer. C'est le Ramadan, je ne peux pas vous mentir. Même mon lit a été calciné. Ils ont mis le feu sur tout ce qu'on avait comme bien. Accusés de bénéficier des indemnisations venant de l'État et faire le sourd-muet sans respecter les accords, le responsable des handicapés se défend. Et ça m'a
Vous avez vu les gens qui passaient tout de suite, disaient que nous avons refusé d'aller à la cité de solidarité. Il n'a pas compris. On nous a sassés. Sinon, personne ne veut rester sur la route. Surtout nous, nous ne pouvons pas courir. Nous préférons être avertis en lieu et en place de nous brutaliser. En mettant le feu sur nos biens, détruire le bien des citoyens, c'est très difficile. C'est pourquoi nous sommes venus voir le gouverneur pour trouver une solution. Cet autre manifestant déclare avoir perdu ses biens, notamment sa voiture et une importante somme d'argent. Ils ont mis le feu sur le sac de riz de tout le monde et même violenté d'autres parmi nous. Hier, lorsqu'ils sont venus, ma voiture, mes habits, mon argent, mes documents, tous incendiés, quand j'ai revendiqué en lieu et place d'une consolation, on m'a cherché. Face à la réclamation des handicapés, nous avons tenté de rentrer en contact avec le gouverneur, mais en vain. En cette période de Ramadan, ces handicapés viennent allonger la liste des citoyens déguerpis dans la ville de Conakry. Voilà, ce sont des images tristes qui interpellent la conscience collective. Il faut avoir la pierre à la place du cœur pour pouvoir agir de cette façon. Mais en 10 ans d'exercice du pouvoir, Alpha Condé a démontré qu'il n'est pas celui qui peut sortir la Guinée de cette situation de précarité. Et aux Guinéens de prendre leurs responsabilités pour faire en sorte que notre Guinée soit une Guinée unie, une Guinée travailleuse, une Guinée solidaire, mais aussi une Guinée émergente. Sans plus tarder, nous allons appeler le président élu de Guinée, M. Sélou Dalein Diallo, pour clôturer ce 5e numéro de notre Assemblée Générale Virtuelle. Très bien, je voudrais saluer les militants et sympathisants du parti, ainsi que tous les compatriotes qui nous font l'honneur de suivre l'Assemblée générale virtuelle de l'UFDG. Nous sommes très fiers de l'intérêt que vous portez à cette rencontre virtuelle. Je dois vous informer officiellement, un communiqué a été fait dans ce sens, qu'à l'issue des consultations qui ont été réalisées pour définir la périodicité de notre Assemblée générale virtuelle, il a été décidé de tenir cette Assemblée un samedi sur deux. Et donc, toutes les 2 semaines, nous allons nous retrouver pour échanger et comme l'a dit tout à l'heure le vice-président chargé des affaires politiques, on va en profiter pour vous expliquer, pour vous donner des informations, de larges informations sur le projet de société de notre parti. Parce que nous sommes prêts à assumer les hautes responsabilités dans ce pays et à sortir la Guinée de la division, de la précarité et de la honte. Parce que, comme vous le savez, les Guinéens sont quotidiennement humiliés. Nous venons de suivre ici un documentaire qui confirme ce que j'avais eu à dire, que le gouvernement actuel manque de 2 choses, de vision et d'humanisme. Comment voulez-vous
qu'en plein mois de carême, vous venez vous attaquer à ces handicapés qui ont besoin de la solidarité de la nation, même en dehors du mois de carême, mais surtout au mois de carême. Ils ont besoin, beaucoup d'entre eux, jeunes, ils ont besoin de notre solidarité pour pouvoir rompre le jeûne et préparer justement le jeûne du lendemain. Ce gouvernement qui manque complètement d'humanisme n'a rien trouvé à faire que d'envoyer les forces de défense et de sécurité les disperser et détruire leurs biens. Nous avions dit, et nous répétons, ce gouvernement manque d'humanisme. Je l'ai dit en faisant état, en déplorant ce qui a été fait dans le cadre de ce qu'ils ont appelé la libération des emprises de la voie publique et de ce qu'ils considèrent comme des zones réservées. On a eu suffisamment à le déplorer. Alpha Condé et son équipe, ils n'ont pas pitié. Mais Yurmetake, sinon ces gens que vous avez vus ici, vous devez venir à leur secours. On peut tout obtenir de l'être humain, mais dans le respect et la considération. À supposer que les zones occupées, que ça gêne quelqu'un ou quelque part. Mais il faut venir sensibiliser, expliquer, montrer qu'ils sont des citoyens à part entière et qu'ils ont droit au respect et à la considération de ceux qui nous dirigent. Mais non, ils ont envie de faire du mal. Et c'est pourquoi ils se sont comportés de la sorte. Je ne vais pas prolonger, parce qu'on est déjà au-delà du temps qui nous est imparti. Je voudrais saluer nos camarades qui sont en détention, qui sont injustement en détention. Je voudrais saluer leur courage, leur persévérance, leur détermination dans le combat. Ils sont aujourd'hui près de 400 personnes. Mais les proches collaborateurs qui travaillent quotidiennement avec moi, les hauts cadres du parti, voilà leurs photos qui apparaissent. Le doyen El Hadj Ibrahima Sherif Ba, Ousmane Gawal Diallo, Sellou Baldé, Étienne Soropogui, Abdoulaye Ba, Fonike Mangé, Ismaël Condé, Madik Sans Frontières, Souleyman Condé, El Hadj Abdoulaye, l'imam de Wanindara, Aladji Nuhu, et tant d'autres qui croupissent en prison alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Nous demandons, nous exigeons la libération immédiate de ces innocentes personnes qui n'ont rien fait qu'exprimer leur point de vue, de soutenir leur parti et de faire campagne pour leur parti qui, heureusement pour nous et malheureusement pour Alpha Condé, a perdu cette élection. C'est cette haine, cette rage qui est en train de s'abattre sur nos pauvres camarades. Nous exigeons leur libération sans délai et sans condition. Nous sommes le 1er mai, fête du travail. J'ai une adresse aux travailleurs. Chers compatriotes, travailleuses et travailleurs, le 1er mai, Journée internationale du travail, me donne l'occasion de vous souhaiter une bonne fête et vous exprimer ma solidarité dans la lutte que vous menez pour améliorer vos conditions de vie et de travail. Comme l'année dernière, la pandémie du coronavirus oblige à la sobriété. La solidarité que célèbre cette journée historique du 1er mai prend toute sa signification en ces temps sombres du Covid et de privation de liberté dont sont victimes de nombreux Guinéens en raison de leur opinion. Les effets dévastateurs de cette pandémie affectent davantage les plus fragiles de notre société. C'est pourquoi mes pensées vont particulièrement aux travailleurs du secteur informel,
composée en majorité de femmes et de jeunes, qui, en raison de la précarité de leur emploi, sont les plus exposés à l'insécurité, au chômage et à l'extrême pauvreté. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux travailleurs du secteur de la santé qui n'ont ménagé aucun effort dans la lutte contre la pandémie. Ils se sont surpassés, aussi bien pour informer et conseiller la population que pour assister et soigner les malades. Permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour nos morts et d'exprimer ma solidarité avec les détenus politiques et ceux qui souffrent de la maladie, de l'injustice et de la pauvreté. Je voudrais aussi saluer le courage et l'implication des travailleurs dans le combat pour la préservation des acquis démocratiques et pour la défense des droits et libertés des citoyens. Je les exhorte à résister aux manœuvres de ceux qui veulent les diviser et les encourage à s'associer davantage aux autres forces vives de la nation pour la promotion de la justice sociale, de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Travailleuses et travailleurs, vos conditions de vie et de travail comptent parmi les plus précaires. Cette situation n'est pourtant pas une fatalité. C'est une question de gouvernance. La lutte contre le chômage, notamment celui des jeunes, sera au cœur de la politique de l'UFDG, qui, en plus, veillera à ce que les travailleurs puissent bénéficier de salaires décents en rapport avec leur contribution à la création de la richesse nationale. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Je vous remercie. C'est bon? Je ne fais pas comme les syllabes, je gêne, donc il faut comprendre que moi... C'était donc l'intervention du président Sielou Dalein Diallo qui a salué les travailleuses et travailleurs de la République de Guinée, qui invite les Guinéens à plus d'unité et de solidarité pour faire de la Guinée un arbre de paix, de justice, mais aussi un pays qui émerge. Une pensée à la fédération de Kaloum et notamment de Kakioundi qui a perdu son responsable de la section, M. Alkali Patrice Camara. Nous rendons un hommage mérité pour tout le travail qu'il a fait pour l'UFDG et pour la nation guinéenne. C'est un honneur pour nous de vous savoir nombreux avec vos smartphones, vos ordinateurs et devant vos postes téléviseurs, que ce soit en famille ou avec les amis, pour suivre ce 5e numéro de notre Assemblée Générale virtuelle. À toutes et à tous, nous vous disons merci et rendez-vous 2 semaines après pour le 6e numéro. Je vous remercie. Ouais. Le 13, hein. Le 15, hein.